Bonjour, Eddie. Oh, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour. Oui, entrez. Ah, bonjour, Eddie. Bonjour, monsieur Martin. Asseyez-vous. Saint-Augustin d'Hippone, c'est un autre érudit. Un érudit algérien, dont la réflexion profonde est imprégnée d'humanisme. Un érudit qui a œuvré au service de toute l'humanité, qui a donné de la voix aux aspirations d'une société vulnérable. Il s'agit d'un reportage qui a été diffusé sur une chaîne algérienne lors de l'inauguration de la cathédrale Saint-Augustin après sa restauration. Je pense l'avoir vu lors de sa diffusion, monsieur Martin. Écoutez, Eddie, le monde entier étudie la philosophie du grand Augustin et son apport dans la philosophie et dans l'humanité. Il y en a même qui considèrent que c'est le premier philosophe du christianisme occidental, alors qu'en réalité, il est berbère. Personne ne sait, ou très peu de gens, qu'il est algérien. Je pense que l'occasion est trop belle, avec cette inauguration de la cathédrale Saint-Augustin, pour que vous réalisiez un docu-fiction sur Saint-Augustin. Moi ? Oui, vous. Vous, parce que vous êtes l'homme de la situation, parce que vous avez notre confiance, parce que vous êtes d'origine algérienne, et je pense que cela va vous faciliter la tâche. Merci beaucoup, monsieur Martin, pour votre confiance, mais franchement, j'hésite un peu à voyager en Algérie. Écoutez, je ne comprends pas votre réaction, je trouve même ça étrange. Je pensais que vous sauteriez de joie, ne serait-ce que d'aller retrouver votre famille que vous n'avez pas vue depuis très longtemps, je crois. Enfin, de toutes les manières, ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas vous forcer. Mais maintenant, la prod est prête. Si vous décidez de changer d'avis, on vous laisse le temps de la réflexion, mais n'attendez pas trop longtemps. Mais... Écoutez, Eddie, réfléchissez et faites le bon choix. Salut, chérie. J'ai essayé plusieurs fois de t'appeler. Assieds-toi, j'ai un truc à te dire. Moi aussi, j'ai quelque chose à te dire. D'accord. Viens t'asseoir. Oh, doucement, s'il te plaît, Eddie. Je suis enceinte. Tu es enceinte ? Oui, c'est ça. Est-ce que t'es sérieuse ? Mm-hmm. Ça fait même 2 semaines que je le soupçonnais, et aujourd'hui, j'en ai eu la confirmation. Et c'est quoi la solution, maintenant ? Qu'est-ce que tu veux dire par « c'est quoi la solution » ? Il faut que tu comprennes, c'est pas trop le moment. J'ai suffisamment de boulot à faire, d'accord ? J'ai des objectifs à tenir. Oublie cette histoire de bébé. Excuse-moi, mais je te parle pas de m'épouser. J'ai juste dit que j'attends ton bébé, c'est la moindre des choses. Si cela ne te convient pas, on ira chacun de son côté. Kenza, pourquoi tu t'évertues à détruire notre relation ? On est bien comme ça, ça suffit. Pour toi, ça suffit. Tu considères que notre relation n'est que purement physique. Ça n'a rien à voir avec l'amour. L'amour, c'est le sens du sacrifice, du partage et de la responsabilité. Mais tu n'as pas l'air de connaître ces valeurs. Attends. Je t'aime, Kenza. Moi aussi, je croyais que tu m'aimais. Allô, oui ? Oui, monsieur Martin ? Oui. J'accepte ce travail, d'accord. Très bien. Avec plaisir, merci. Bon, écoutez, on se voit à l'hôtel, d'accord ? D'accord, merci. Ouais. Taxi ? Bonjour, vous êtes libre ? Oui, bonjour. Je vous dépose où ? À Soukaras. Très bien.
Bonjour. Oui, bonjour. Oh, maman! Oh, maman! Mon fils Eddie! Oh, mon fils chéri! Comment vas-tu, mon grand garçon? Ça va, maman. Tu m'as tellement manqué. Tu m'as manqué aussi. Je suis si heureuse. Tu changes pas. Ça fait si longtemps. Je suis tellement content. Il y a 7 ans que je ne t'ai vue. Je suis si heureuse. Oh, mon fils! Sois le bienvenu, enfin. Et c'est Jamila, ta belle-sœur. Bonjour, Jamila. Enchantée. Comment ça va? Je suis ravie de faire ta connaissance. Oh, moi Jamila, aussi. Ma fille, peux-tu aller dire à ton mari que son frère vient d'arriver de France? Dis-lui de venir immédiatement ici, vas-y. Oui, j'y vais tout de suite. Merci, ma fille. Oh, attends, Jamila, attends. Dis aussi à Dima que son grand frère est à la maison. Fais vite, s'il te plaît. D'accord. J'étais sûr que le jour viendrait où ton pays finirait par te manquer. Tu sais quoi, Eddie? Avant d'être embauché à la banque, j'ai bossé dans une boîte de production. Une boîte de prod, ici, en Algérie? Oui, il y en a beaucoup, qu'est-ce que tu crois? Il y a la boîte de production, et en plus, Rahal a une chaîne de télévision. Ah oui, c'est bien, il a une chaîne de télévision en plus. Youssef, tu connais bien Rahal, n'est-ce pas? Tu le fréquentes toujours? Bien sûr, c'est un de mes meilleurs amis, et on travaille ensemble depuis des années. Alors il faut que tu le vois dès que possible. Peut-être qu'il aura un poste dans sa chaîne pour mon fils Eddie. Quoi, tu parles de moi? Bien sûr, de toi et de qui d'autre? Tu es mon fils! Écoute, maman, j'ai déjà un job, je ne cherche rien. J'ai compris. T'es là pour monter ta boîte, c'est ça? Non, désolé, mais vous ne m'avez pas compris. Je suis venu de France juste pour faire un film ici, c'est tout. Bon, j'y vais. Et voici l'œuvre complète de Saint Augustin en latin. Ça, c'est le trésor de la bibliothèque. Une édition qui date des années 1760. Et parmi ces œuvres, il y a les Confessions, un ouvrage qu'il a écrit lui-même de son vivant et qui est considéré comme la vraie naissance d'un genre littéraire et connu comme l'autobiographie et qui n'était pas connu chez les Grecs. Je vois. Et pour vous, voici les Confessions en français. Excusez-moi, mon père. Devrait-on comprendre par confession la reconnaissance des fautes et péchés commis selon l'Évangile ou bien autre chose ? Il est vrai que l'ouvrage contient la reconnaissance des fautes, mais pas uniquement. Il évoque aussi les dons. C'est peut-être ce que saint Augustin voulait nous enseigner en disant « La reconnaissance des dons de Dieu précède la confession des péchés commis et le début des bonnes actions. » Patricius a envoyé son fils étudier à Mador, un bourg situé à quelques encablures de Tagaste. Mais Augustin, le révolté, s'est habitué à fréquenter le théâtre. Eh bien moi, je serai indifférent à son égard, tant qu'elle m'admire. Mais cela n'empêche pas, maître, que ses rêves deviennent enfin réalité. Accordez-lui un baiser, allez la voir, maître. Ah, en voilà une bonne idée. Et je vais m'enquérir de sa part. Allez-y. Offrez-nous de ces beaux fruits de votre jardin, noble maître. Allez, serviteur, construisez-moi une passerelle. Allez, tenez mes bons serviteurs. Merci, mon maître. Merci pour ta générosité, maître. Que pensez-vous d'Augustin? Un héros ou un enfant de cœur? Augustin! 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 Et vous là! Bande de petits voleurs! Oui, voleurs! Arrêtez-vous, voleurs! Ah, petit pas!
pas si vite. Arrête-toi. Reviens ici. Arrête-toi, sale petit chacal. Je vais aller voir ton père Patricius pour ce que tu m'as fait. Ah oui, vous allez voir mon père? Oui, je le connais. Et je connais aussi ta mère, Monica. C'est une dame bien vertueuse. Comment diable peut-elle avoir un voleur comme toi pour enfant? Je vais lui dire ce que tu as fait. Oh non, je vous en supplie pas, ma mère. Je vous promets de plus le refaire. J'implore votre pardon. Allez, viens là, sale petit voleur. Je n'ai pas dérobé de fruits parce que j'avais faim, mais parce que le vol est une chose interdite. J'ai fait cela. J'ai éprouvé un certain plaisir à voir mes amis m'admirer. C'est alors que je me suis rendu compte que l'être humain est naturellement porté à faire le mal. Alors comme ça, tu veux dire que toi, Ilius, le coureur de jupons, tu as consacré tout ton fichu temps à Mador à travailler comme un forcené? En fait, pas vraiment. Mador foisonne de tavernes et je ne peux m'en passer, tu le sais bien. Mais j'aime aussi le théâtre. Je suis même un passionné. Le théâtre? Oui. Comment ça, le théâtre? Oh, c'est très simple. Les pièces qu'on joue au théâtre sont absolument formidables. C'est à pleurer de rire, tu peux me croire. Demande donc à Augustin. Augustin? Quel Augustin? Eh ben, ton fils, qui d'autre? Et qu'est-ce que mon fils Augustin, qui est parti étudier à Mador, a à voir avec le théâtre? Vas-y, dis-moi, hein? C'est à moi que tu demandes? Demande-lui. Je l'ai vu tout récemment au théâtre où se jouait une de ses farces. Le fier soldat. Il avait l'air transporté de joie. À mon avis, il doit tenir son attrait des plaisirs de la vie de son père. Oui, quelle splendeur, tout cet apparat, on croirait voir un roi. Bienvenue à vous, vénérable maître. Soyez le bienvenu, génie de Tagaste. Longue vie à notre maître. Jeune maître, il est temps de se réveiller. On y est, on arrive à Tagaste. Monica. Monica. Bon appétit. Je vais encore manger seul, on dirait. Les enfants ont déjà mangé. Et toi? J'attends Augustin pour dîner avec lui. Alors tu n'as pas l'intention de jeûner aujourd'hui? Voilà, Augustin. Augustin. Perpetua. Navekios. Tu peux me dire pourquoi tu arrives si tard, Augustin? C'est à cause de la roue de la vieille charrette qui s'est détachée et on a perdu beaucoup de temps à la réparer, sans parler de ce sacré mulet qui ne voulait pas avancer. Et que dire alors de l'autre tête de mule qui a laissé ses études de côté pour aller traîner dans les théâtres? Qu'est-ce que tu veux dire par là, père? Parce que tu imagines que je ne sais pas à quoi tu passes ton temps à Mador. Je n'ai rien fait de mal, père. Tais-toi, t'es qu'un menteur et un idiot. Tu délaisses tes études pour traîner avec de mauvaises fréquentations et te débaucher dans les théâtres et tout ce que tu trouves à dire, c'est... j'ai rien fait de mal. Si pour toi, aller au théâtre, c'est de la débauche, regardez, c'est mieux que de s'y livrer. Comment ça? Calme-toi. Pauvre folle. Ne sois pas en colère contre ton père. Car tout ce qu'il fait, c'est juste pour que tu deviennes un jour le plus grand orateur de toute la Numidie. Alors pourquoi il me défend de faire ce qu'il fait lui-même et plus encore, bien plus? Même si c'est vrai, tu dois lui obéir, il est ton père. Mon père, oui, mon père. Je n'arrive plus à te comprendre, mère. Comment peux-tu le défendre et parler exactement comme lui alors que c'est toi qui le fais le plus souffrir? Combien de fois je t'ai entendu pleurer quand il rentrait à l'aube en titubant, sachant avec qui il avait passé la nuit et ce qu'il faisait. Et maintenant tu prends la parole pour te mettre de son côté alors que d'habitude tu ne dis jamais rien. Je ne comprends plus. C'est normal de ne pas comprendre.
Car si tu connaissais notre Seigneur Dieu et les commandements de son évangile, tu saurais alors que l'évangile m'a appris qu'en tant qu'épouse, je dois obéir à mon mari et lui pardonner, et aussi prier pour lui. Sauveur Jésus-Christ, viens à mon secours. Aie pitié de ton humble servante. Que ta miséricorde atteigne le cœur de Patricius, illumine l'âme et le cœur de notre fils Augustin. Éloigne-les du mal et des passions de ce monde. Mène Augustin sur la voie de l'obéissance et ne laisse pas les péchés le dévoyer, Seigneur. Purifie-le de tous ses démons, de ses pensées mauvaises et impures. Écoute ma plainte. Entends mes supplications et exauce ma prière. Toi qui es le roi, toi qui es le glorieux et l'éternel. Amen. De là est né le conflit à l'intérieur d'Augustin. Conflit entre l'idéalisme de sa mère et la poursuite du monde réel. Qui suivre ? Le monde emberlificoté des dieux de son père ou le chemin de soumission qualifié d'amour dans l'évangile de sa mère ? Coupé. On passe à la suite, mon père. Que les dieux bénissent le très noble Romanianus. Patricius, comment vas-tu ? Très bien, monseigneur. Je vous prie de bien vouloir pardonner ma venue sans vous en avoir averti. Ça ne fait rien. Qu'attends-tu de moi ? Il s'agit de mon fils, Augustin. Il a abandonné ses études à Mador, cela fait déjà plus d'un an. Pour quelle raison ? Aller étudier à Mador ne lui plaisait pas. Pour être tout à fait honnête, les frais de ses études sont devenus trop lourds pour moi. Je n'arrive plus à subvenir à toutes ses charges, monseigneur. Donc, tu as besoin de mon argent, Patricius ? En vérité, j'ai besoin plus de votre aide que d'argent, noble Romanianus. De mon aide, tu dis ? Et quel genre d'aide attends-tu ? Je souhaiterais que vous m'aidiez grâce à l'influence que vous entretenez avec les nobles de Carthage, afin que mon fils Augustin puisse continuer ses études de rhétorique. À Carthage ? Comme tout ça est étrange, Patricius, comment parviendrais-tu à subvenir aux frais à Carthage alors que tu n'arrives même pas à payer ceux de Mador ? J'avoue que tu m'intrigues. Tu dois être conscient que je ne vais pas pouvoir t'offrir mon aide toute ma vie. Tu sais que tu peux compter sur moi. Mais là, il ne s'agit pas seulement d'une année ou deux. Cela risque de prendre beaucoup plus longtemps. J'en ai bien conscience. Je souhaite seulement avoir votre appui pour le début. Ensuite, je ferai tout mon possible pour le prendre moi-même en charge et qu'il réalise notre rêve. Écoute-moi, Patricius. Les ambitions que tu as pour ton fils sont certes honorables. Néanmoins, ce que je pense, c'est qu'il serait judicieux qu'elles soient réalistes. Il vaut mieux éviter de poursuivre des rêves inaccessibles. Je vous remercie, Seigneur. Mais qu'est-ce que tu as, Patricius ? Je n'ai rien. Rien du tout. Allez, ne t'inquiète pas. Je suis sûre que tu as fait tout ce qu'il était possible de faire. Sois certain que le Seigneur ne nous laissera pas. Qu'est-ce que tu as ? C'est rien. Ça va. Allez, va t'allonger un peu. Laissons ce problème entre les mains sacrées de Dieu.
Rejetez-vous Satan, ses mauvaises actions, son adoration et tous ses mensonges. Oui, je le rejette. Acceptez-vous le Christ. Oui, j'accepte le Christ. Croyez-vous qu'il est roi et Dieu ? Oui, je crois qu'il est roi et qu'il est notre Dieu. Répétez après moi, je crois en un seul Dieu. Dis, pourquoi t'es parti en laissant notre père ? Qu'est-ce que je suis supposé faire ? Eh bien, rester auprès de lui ? T'as pas l'air triste comme moi qui sois malade ? En vérité, je suis très triste, parce qu'il croit que grâce à son baptême, il deviendra un vrai chrétien, et qu'il pourra jouir d'une vie éternelle, comme ne cesse de dire mère. Je suis désolée, mais je comprends rien à ce que tu dis. Merci beaucoup, mon père. Mais non, c'est moi qui vous remercie. Allons, on vous a pris tout votre temps. Vous avez été formidable depuis le début, donc merci beaucoup et on s'excuse. Mais non, je vous en prie, ne dites pas ça. Vous avez travaillé dur et vous devez être exténué. Pour ma part, ma collaboration s'arrête ici, en Algérie. Quant à vous, le chemin est encore long. Chacun de nous veut que la justice soit appliquée. Une justice basée sur la vérité. Mais que signifie donc la vérité ? Enfin, j'aimerais conclure mon propos en toute objectivité en disant que la vérité reste à jamais cachée et ne peut la trouver que celui qui veut réellement la chercher, celui qui possède des yeux clairvoyants et un très grand discernement. Celui qui est doué de sagesse et de probité comme vous. Excellent, 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 excellent. Oh, Alypius. Si seulement je pouvais devenir aussi bon orateur et aussi renommé qu'Asclépius. Allons, n'exagère pas, mon ami. Les rêves ont aussi leurs limites. Augustin ! Oh, mère ! Enfin, je te trouve. Je t'ai cherché partout. Que se passe-t-il, mère ? Tu vas pouvoir réaliser ton rêve. Tu vas partir à Carthage pour étudier la rhétorique et le droit. Vraiment ? Oui, vraiment, Augustin. Tu remercieras Madame Abrasca. Elle a réussi à convaincre son mari de tout régler pour toi à Carthage. Tu iras même habiter chez l'un de ses proches. Ah. L'âme de feu ton père, Patricius, peut se reposer désormais. Ah. Alypius ! Tu vois bien que les rêves n'ont pas de limite. Je veux que tu saches, mère, qu'une fois installée à Carthage, je me consacrerai jour et nuit à travailler durement. Ainsi, j'accomplirai mes études en très peu de temps. Et à mon retour à Tagaste, je serai professeur orateur. Comme ça, je serai près de toi, de ma sœur et de mon frère. Enfin, je suis libre. Seul, loin du bâton du maître, loin des yeux de ma mère, et loin de la tombe de mon père. Je peux enfin me réaliser et choisir seul mon destin. J'arrive, Carthage. Eddie ! Oui, maman. Qu'est-ce que fait cette valise ici ? Je dois aller à Carthage. À Carthage ? Oui, Carthage en Tunisie. Je sais bien que Carthage se trouve en Tunisie. Ce qui me gêne, c'est que depuis que tu es arrivée, je n'ai pas eu le droit de te voir ne serait-ce que plus de 10 minutes. Tu comprends ça ? Tu n'as pas eu un seul mot gentil à mon attention et pas le moindre regard de tendresse. Moi qui ne t'ai pas vue depuis plus de 7 ans.
Et voilà que maintenant tu me laisses encore. Maman, je dois juste me rendre en Tunisie. Tu sais bien que j'ai un film à terminer. Je regrette, c'est mon boulot. Bon, écoute-moi. Je te promets que dès que je reviens, nous sortirons toi et moi et nous irons boire un petit café et on ira se balader. Tu me promets? Tu ne me racontes pas d'histoire? C'est promis, maman. Mais juste à une seule condition. Que j'ai ta bénédiction. Que Dieu t'offre tout ce que tu désires et te guide. Et mon Dieu, faites qu'il revienne à moi en pleine santé. Professeur, j'ai été très heureux d'apprendre que vous aviez obtenu un doctorat en philosophie augustinienne et surtout, précisément ici à Carthage. Je pense que votre participation ne pourra qu'enrichir notre film. Je vous remercie pour ces très gentils mots. Excuse-moi, Eddie. Oui? Où est-ce que je pose la caméra? Je te dis ça tout de suite. Professeur, où sommes-nous exactement ici? Cette zone englobe tout un quartier où vivaient jadis les riches et les nobles de Carthage. Donc on peut supposer que cette maison est sans doute celle de Nepridius, la demeure où avait séjourné Augustin. Oui, certainement. D'accord. Si je suis venu à Carthage, c'est grâce à mon père qui a toujours rêvé que je devienne un orateur instruit et renommé. Et aussi grâce à ma mère qui a lutté et s'est obstinée pour que ce rêve devienne réalité après la mort de mon père. En fait, tu veux poursuivre ce rêve uniquement pour satisfaire tes parents ou bien parce que tu désires plus que tout pouvoir devenir un brillant orateur? Lorsque j'étais amador, j'ai appris l'art de faire pleurer les spectateurs et ainsi d'écrire leurs émotions les plus profondes et les plus persuasives afin d'assujettir le sentiment de l'auditoire et cela a été une vraie réussite. C'est là-bas que j'ai senti que les traits qui me caractérisent commençaient à se préciser et que l'étude de la rhétorique, de l'argumentation et de la démonstration est la voie unique qui fera de moi un futur grand orateur. Tu sais, Augustin, qu'on se ressemble tous les deux énormément, car je suis moi-même un passionné inconditionnel des débats intellectuels, et j'adore connaître et apprendre tout sur les religions et leurs origines. Les religions et leurs origines? C'est étrange. Comment ça, étrange? Tu veux dire quelles relations ont les dieux que nous vénérons avec l'étude des religions et leurs origines? Tout simplement, il n'y en a aucune. Aucune. En dehors de l'amour de la connaissance. Je t'en prie, assieds-toi. Allons, ne sois pas si timide. Laisse-la donc faire. C'est son travail. Elle s'appelle Tanit. C'est une vraie et belle berbère, n'est-ce pas? Ça n'a pas l'air d'aller, l'ami. Il semblerait que tu ne sois pas habitué à boire du vin. Oui, c'est ça. C'est ma toute première fois. Eh bien, il faut un début à tout. Mais continue. Ton discours est fascinant. Tu parles de mon discours sur les débats intellectuels ou bien sur le vin? Et puis, en conclusion, la définition qu'on peut donner de la rhétorique, c'est une technique pour s'adresser à n'importe quel interlocuteur, dans le simple but de l'influencer. Et partant de cette définition, y a-t-il quelqu'un parmi vous qui pourrait expliquer les parties et les éléments de la rhétorique? Vous, quel est votre nom? Augustin, maître. Et d'où êtes-vous originaire, Augustin? De Numidie, maître. De la ville de Tagaste. Tagaste. Je m'y suis déjà rendu il y a un certain temps de cela pour une affaire que j'avais à plaider. Je ne m'y suis pas plu. Pour être tout à fait franc, les compensations de cette affaire étaient très intéressantes. Je veux dire pécuniairement, ce qui m'a consolé. Oui, à vous, votre nom. Prios, maître. Je viens naturellement de Carthage.
Alors citez-nous donc les éléments qui concernent la rhétorique. Les règles de la rhétorique, ce sont celles qu'utilise l'orateur. Oui, bien sûr, bien sûr. Et quoi d'autre, je vous prie ? C'est tout, l'orateur emploie la rhétorique et la rhétorique sert l'orateur. On peut dénombrer 5 éléments. Tout d'abord l'art, ensuite le discours, et aussi l'orateur, puis l'interlocuteur, et enfin l'influence. C'est tout à fait exact. Cependant, cela ne vous dispense pas de vous excuser d'avoir pris la parole sans demander la permission. Veuillez m'excuser pour cela, maître. J'accepte avec plaisir vos excuses. Car vous avez fait la démonstration de la confiance en soi. Vous avez manifesté de l'assurance et vous n'avez pas été troublé lorsque je vous ai traité avec un certain dédain. Bravo à vous. C'est excellent, Augustin. Vous devez tous ici vous imprégner de la qualité d'intervention dont Augustin vient de faire acte. En tout premier lieu, avoir le courage de se confronter. La vérité. Où se trouve la vérité? Existe-t-elle réellement? Tout le monde la cherche. La vérité reste cachée, et seul celui qui la cherche la trouve. Seul celui qui possède la clairvoyance et un grand discernement la trouve. La vérité. Seul celui qui est doué de probité et de sagesse telle que vous peut la trouver. Excellent. Est-ce que notre brillant orateur désire quelque chose? Oui. Je souhaiterais posséder un champ et une ferme dans l'une de ces belles campagnes africaines. Avec des fontaines d'eau fraîche comme celles que l'on trouve chez les riches à Carthage. De jolies fontaines décorées avec du marbre de la belle région de Kerkouan. Et aussi des statues à l'effigie des grands empereurs. Et encore d'autres statues représentant de jolies femmes. Et une bibliothèque. Oui, une bibliothèque dotée des plus beaux manuscrits. Pour y passer mes vieux jours dans la paix. Et n'y a-t-il aucune place pour l'amour dans vos rêves? Comment? Oh, veuillez me pardonner. Je me suis un peu égarée, maître. Je vais préparer votre repas. Je vous ai déjà demandé d'apprendre le plaidoyer de l'orateur grec Périclès, le plus grand orateur d'Athènes. Qui parmi vous l'a étudié? Eh bien, écoutons Augustin, notre futur maître orateur. Honorable assistance, je vous invite à faire de votre nation le centre de vos pensées. Et si vous y parvenez, rappelez-vous tout d'abord que c'est grâce au courage de ces héros qui ont donné leur vie pour le peuple tout entier. Nous leur devons toute notre reconnaissance pour cela, à jamais. Et chacun d'entre eux a eu droit à son tombeau. Je ne fais pas ici allusion à un tombeau qui contient leurs ossements retournés en poussière, mais je pense ici à celui qui comprend leur mémoire et leur notoriété. Un tombeau, c'est ce qu'on mentionne à chaque fois que l'on parle d'honneur. La terre entière est semée de tombeaux de tous ces grands hommes. Seigneur mon Dieu, mon Sauveur et mon Roi Jésus-Christ. Veille sur mon fils Augustin dans son exil. Éloigne-le de Satan et de ses serviteurs. Ne l'abandonne pas. Sois avec lui. Purifie ses pensées. Et quitte-le vers toi. Attends un peu, toi! Quoi? Quoi? Tiens! Prends ça! Allez!
commet un péché, pardonne-le-lui. Ne lui en veux pas, Seigneur, car tu es le chemin, la vérité et la vie. Personne ne croit que la volonté seule permet de réaliser de bonnes œuvres, à moins d'avoir la grâce de Dieu. J'ai lu chez Platon et Cicéron des paroles très sages et très belles. Cependant, jamais je n'ai lu chez eux quelque chose d'aussi beau que « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Combien de fois ai-je prié avec dérision ? Dieu, fais que je devienne pur et que je puisse ignorer les tentations, mais pas tout de suite. Avoir la foi, c'est croire en ce qu'on ne voit pas. Et la récompense, c'est de voir ce en quoi on a foi. Quelle grande foi tu avais, mère. Quelle que soit la gravité du péché, il ne faut pas désespérer de ta miséricorde, mon Dieu. Qu'est-ce qui ressemble à l'amour ? Elle a des mains pour aider les autres. Elle a des pieds pour se hâter au secours des pauvres et des nécessiteux. Elle a des yeux pour voir la misère et le besoin. Elle a des oreilles pour entendre les plaintes et le chagrin de son prochain. C'est la définition de l'amour. Oui, à vous, Augustin. Le grand maître et orateur Cicéron a dit « L'histoire est le seul témoin des temps. La mémoire de la vie, l'enseignante de la vie, la messagère de l'Antiquité et la lumière de la vérité. » Cela veut-il dire que, si nous explorons notre propre histoire, nous trouverons la vérité ? Ne soyez donc pas si naïf, Augustin. Je veux dire, il n'y a pas qu'une seule vérité absolue dans cette vie. La vérité est uniquement ce que vous ferez pour pouvoir prouver aux autres que ce que vous avancez est l'entière vérité. Augustin, attends-moi. Est-ce que je peux te parler si tu n'es pas trop occupé ? Bien sûr, oui. J'ai bien écouté tes remarques sur la vérité avec Maître Asclépius. Oui ? Je voulais juste savoir si tu as trouvé la réponse. Comme tu le sais déjà, Maître Asclépius est un très grand orateur. Et ses réponses suscitent toujours beaucoup d'autres questions qui nous poussent à réfléchir. Et chaque nouvelle question provoque encore et encore d'autres questions. Ça pourrait finir par vous déprimer.
Pourquoi tu ne lirais pas la Sainte Bible? Tu pourrais bien y trouver la vérité. Non, je ne pense pas. Je l'ai déjà lue à maintes reprises. Et je l'ai trouvée plutôt confuse. J'ai pu aussi voir dans l'Ancien Testament certaines qualités attribuées à tort à Dieu, comme la colère, la tristesse, le dépit et encore d'autres qualités auxquelles ma raison refuse d'adhérer. T'es-tu intéressé à l'enseignement de l'Église? Non, pas du tout. À vrai dire, pour moi, les enseignements de l'Église sont comme des vieux contes pour enfants. Et puis, leur but ultime est plutôt d'asseoir leur autorité. Écoute-moi, Augustin. Par exemple, qu'est-ce que tu dirais si je répondais à ton interrogation? À quelle question? Où se trouve la vérité? Vas-y, je t'écoute. Dans l'enseignement du manichéisme. L'enseignement du manichéisme? Oui. C'est le prophète Mani qui a fondé le manichéisme. Il est né il y a une centaine d'années à Babel. Et c'est au travers de ses enseignements que Mani a réussi à réformer et réunir les trois grandes religions, c'est-à-dire le zoroastrisme, le christianisme et le bouddhisme, pour en faire une religion universelle. Ainsi, le manichéisme est devenu la nouvelle religion de la vérité et de la paix de l'esprit. Donc le manichéisme serait la vraie vérité? Tout d'abord, ce qu'il faut connaître et apprendre, ce sont les paroles du prophète Mani. Le monde est constitué de deux anciennes origines, lumière et obscurité. Et le bien est le royaume de la lumière. Et le mal est le royaume de l'obscurité. La lumière est l'élément essentiel pour les êtres supérieurs. Et Dieu a établi son trône dans la lumière. Maintenant, mes amis, nous allons accueillir notre nouvel ami, Augustin. J'ai appris par notre cher Aquilius que vous étiez en quête de la vérité. Cela nous comble de plaisir. Mais j'aurais tout d'abord aimé savoir si vous êtes chrétien. Non, non. Alors, à quelle religion croyez-vous? Je suis ma propre raison. Très bien, très bien. Puisque vous suivez votre raison, les préceptes du prophète Mani seront votre vérité. Je suis prêt à tout entendre. Le manichéisme rejette le monde du syncrétisme. Il n'est pas possible de matérialiser Dieu et de le rapporter au monde des péchés. La rédemption des péchés n'est pas possible par le sang du Christ, comme le prétend le christianisme. C'est quand l'âme se libère de la prison du corps, dans la libération des lumières de la prison des ténèbres, que la connaissance peut libérer de la captivité de l'ignorance. C'est pour cela, mon très cher Augustin, que nous avons le devoir de nous opposer à ces chrétiens. Ces chrétiens qui prétendent que le salut de l'âme réside dans la mort du Christ sur la croix sans contrepartie. Toutes leurs fausses théories sur la grâce et l'amour de Dieu éloignent de la vérité. En fait, la seule voie juste est celle de mortifier nos corps, de nous abstenir des plaisirs afin de pouvoir atteindre la transcendance de nos âmes. Tanit, j'étais en train de penser à toi. Tu pensais à moi? Je veux dire à un sujet qui te concerne directement. Comme c'est étrange, car je pensais également à quelque chose que je dois t'apprendre, une chose qui nous concerne tous les deux. Et quelle est cette chose? Non, d'abord toi, dis-moi ce que tu tiens à me dire. Hors de question. Au moment où le soleil va apparaître, les nuages doivent s'éclipser. Je viens d'apprendre que j'attends un enfant. Un enfant? Augustin, à l'évidence, cela ne te réjouit pas. Peu importe, que Dieu veille sur toi. Tanit!
Tu sais bien que je ne te laisserai jamais. Que vais-je faire maintenant? La vérité veut que j'abandonne les plaisirs de mon corps, alors que je suis attaché à elle, et bien incapable de le faire. Et la voilà qui attend un enfant de moi. Est-ce la main du destin qui arrête mon adhésion au manichéisme? Mais je l'aime. Allô, oui, Kenza? Eddie, comment ça va? Ça va bien, et toi? Je me sens un peu seule sans toi, Eddie. Pourquoi tu me laisses comme ça? Tu ne veux plus me parler parce que je porte ton enfant? J'ai besoin de savoir. Je ne te demande même pas de le reconnaître. Cet enfant aura les mêmes droits que ce soit en France ou en Tunisie. C'est pour ça que je fais tout cela. J'ai besoin de toi. Je t'aime, Eddie. Est-ce que tu comprends? Écoute, Kenza, moi aussi je t'aime, mais tu sais bien que je suis coincée ici. Tu veux quoi? Que je quitte mon travail et que je rentre? C'est impossible. Je n'arrive plus à te croire. Comment je peux te prouver ma sincérité? Laisse-moi venir pour finir le séjour avec toi. Tu me manques, Eddie. J'en peux plus de rester seule. Bon, c'est d'accord, tu as gagné. Et si tu penses que c'est une preuve d'amour, très bien, je suis d'accord. C'est vrai? Oui, tu peux venir. Je t'adore, Eddie. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. De tout mon cœur. Je dois te laisser. À bientôt, chérie. Augustin est maintenant le père d'un petit garçon qu'il a eu avec Tanit, sa maîtresse. Cet enfant s'appelle Adéodate, ou Adéodatus, qui signifie « don de Dieu ». À cette époque, et bien qu'Augustin s'évertue à la défense du manichéisme, en fait, il vivait un profond conflit intérieur. Un conflit intime. C'est ce conflit qui le poussera à prendre une décision très importante. Cette décision changera radicalement sa vie. Je dois me rendre à Tagaste. À Tagaste? Oui, Tagaste. Mon chez-moi. Et combien de temps comptes-tu rester là-bas? Ce ne sont pas des vacances. Je veux rentrer pour y vivre. Comment ça? Tu as tellement travaillé pour obtenir tout ce que tu as, ton rang à l'université, ta belle demeure luxueuse et tes affaires, et voilà maintenant que tu décides d'aller vivre à Tagaste. Là, j'avoue, je te comprends plus. Oui, moi non plus je ne me comprends pas, vois-tu. Mais en fait, je n'éprouve plus autant de plaisir dans tout ce que je fais. Rentrer à Tagaste et y enseigner la rhétorique me permettra peut-être de me satisfaire. Et le sentiment de faire quelque chose d'utile pour ma ville et transmettre ce savoir à ceux qui ne peuvent pas voyager est, je crois, ce dont je ressens le plus le besoin. Surtout que j'étais moi-même dans ce cas de figure à mes débuts. Ma famille a eu du mal à payer mes études. Tu sais, tu es une véritable énigme pour moi, Augustin. Tu raisonnes de brillantes façons, mais tu restes encore un très grand sentimental. Il est plutôt rare de trouver la raison et les sentiments chez une seule personne. Et toi, tu seras toujours d'une grande éloquence, Néprédius. Non, je le jure sur les dieux. Ce n'est pas un compliment, c'est la vérité. Qu'est-ce que tu comptes faire pour ton fils Adéodatus? Est-ce qu'il restera avec Tanit? Pas du tout. Je l'emmènerai avec moi. Et avec ta permission, je veux emmener aussi Tanit. Tu n'as pas besoin de mon accord. Je te l'ai déjà offerte, mon très cher ami. Et il me semble qu'elle ne t'est pas indifférente. Elle a été tienne et l'est restée depuis que tu as mis le pied dans cette maison. Si tu savais comme tu m'as manqué, mère. Comme tu as changé, mon fils. Tu es un grand homme maintenant. Voici Tanit, ma femme. Tanit, sois la bienvenue à Tagaste. Je vous remercie, madame Monica. Lui, c'est notre fils, Adéodatus, un don de Dieu. Un don de Dieu? Un don de Dieu. Et où sont Nevecchius et Perpétua? Nevecchius est au champ et Perpétua est dans sa chambre. Perpétua? Perpétua!
Oui. Oui. Tu pensais que je ne saurais pas que vous n'êtes pas marié, Augustin. Tout Agaste est déjà au courant. Celui qui rapporte les nouvelles de Carthage m'a dit ce que tu fais. Et maintenant que tu es devenu célèbre, ces nouvelles te concernant sont précieuses. Tu sais, mère, j'aime cette femme. N'est-ce pas suffisant qu'elle soit chrétienne? Si la loi romaine n'empêchait pas d'épouser une esclave, je l'aurais déjà fait. Tu dis l'épouser? Et comment ça? Oh, j'ai aussi entendu dire, toujours par ce même messager, que tu t'intéresserais à cette hérésie de manichéisme qui interdit le mariage? Mère, je suis fatiguée, alors si tu le veux bien, je préférerais qu'on en reparle demain. Non, maintenant, Augustin. Crois-tu que je pourrais accepter ce péché au sein même de cette maison? Chut, je t'en supplie, mère. N'élève pas la voix, je t'en conjure. Je baisserai le ton pour qu'aucun humain n'entende. Mais que comptes-tu faire avec celui qui sait chaque chose que tu vis? Bon, nous allons quitter cette maison tout de suite. Non, attends. Ton enfant n'a rien à voir avec ça. Il ne mérite pas de sortir par un froid pareil. Allez, reste. Nous trouverons bien une solution grâce à Dieu. Comment vas-tu, mon fils? Alors, il en est où, ton film? Ça va. On avance bien, maman. Dieu merci. À votre santé. Merci, Jamila. Tu ne m'as toujours pas parlé de Kenza. De Kenza? Kenza travaille avec moi. Elle est française, d'origine tunisienne. Et c'est tout? Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Eh bien, cette fille parle beaucoup de toi. Ça me paraît clair qu'il y a quelque chose entre vous. Oui, il y a bien quelque chose. Je l'aime et elle m'aime aussi. Voilà ce qu'il y a. Et alors, c'est tout? Où veux-tu en venir, maman? Je veux seulement te dire que l'amour en Occident n'est pas l'amour que nous connaissons ici. Et l'amour chez eux, et c'est l'amour qui n'existe qu'entre le mari et sa femme. Et alors, ça change quoi, dis-moi? Pourquoi veux-tu parler de ça maintenant? J'ai du travail. Donc je peux en conclure que vous vivez comme un vrai couple. Non? Et l'enfant qu'elle a dans son ventre, c'est le tien? C'est elle qui te l'a dit? Elle n'en a pas eu besoin. Et je ne suis pas aveugle. Et je l'ai remarqué, à sa façon d'agir quand elle jouait avec ton neveu, à chaque fois elle l'éloignait de son ventre. J'ai compris qu'elle était enceinte. Peu importe. Et que comptes-tu faire? Tu as pensé? Laisse ta conscience décider pour toi. Souviens-toi juste qu'elle aussi a une famille. Tu en as conscience? Tu n'aimerais pas que ta sœur se retrouve dans la même situation, n'est-ce pas, Eddie? Hé, hey, viens là. Allez, donne. Oui, allez, tire. Tu me le donnes? J'ai attendu avec une telle impatience qu'il revienne à Tagaste. J'ai bien cru qu'en le voyant ainsi tous les jours, mon cœur serait de nouveau en paix. Mais depuis son retour, ce n'est plus que souffrance. Il ne me reste que des regrets. Il est devenu le premier défenseur de cette hérésie qu'est le manichéisme. Laissez-le donc faire ce que bon lui semble. Et un jour, il se rendra compte qu'il n'y a rien à défendre dans ses théories, croyez-moi. Si vous pouviez lui rendre visite et lui parler, lui expliquer que vous étiez un adepte du manichéisme et que vous êtes devenu... Je vous ai dit de le laisser. Vous devez seulement vous contenter de prier pour lui, c'est tout.
il finira par comprendre, à travers toutes ses lectures, l'incohérence et l'absurdité de ce courant. Devra-t-il être encore égaré pendant plusieurs années, s'il continue à s'entêter? J'avoue être en plein désarroi. Mais enfin, comment fait-il pour croire à tous ces commandements si complexes? Et pourquoi refuse-t-il la Bible et sa simplicité? N'ayez crainte, car l'enfant de ses larmes ne s'égarera jamais. Vous ne savez pas, vous ne savez pas, vous ne savez pas, vous ne savez jamais rien. Tout ce que vous faites ne sert à rien si vous n'y réfléchissez pas. Pourquoi apprenez-vous vos leçons si vous n'aimez pas ce que vous apprenez? Le cours est fini. Sortez! Dis-moi, cher maître. Alipius. Dis-moi, Augustin, qu'est-ce qui t'a pris de t'emporter comme ça? Parce que je trouve inacceptable de passer tout ce temps ici sans parvenir à trouver un seul autre étudiant aussi brillant que toi. Qu'y a-t-il de si drôle, dis-moi? Eh bien, à vrai dire, je me suis très souvent demandé combien de temps tu allais tenir à Tagast avant de te rendre compte que cette ville est beaucoup trop étroite pour tes rêves. D'ailleurs, je me rappelle de cette phrase que tu m'as dite un jour. Les rêves n'ont pas de limite. Augustin ? Où est-ce que tu vas avec toutes ces affaires ? Réponds-moi, Augustin. À Carthage. Carthage ? Pourquoi veux-tu y retourner alors que tu es revenu ici et de ton plein gré ? Oui. Je sais bien, mère. Mais ma lassitude est trop grande pour vivre à Tagast. Et je crois que mes rêves s'effondreront si je reste. Ici, mes étudiants ne me laissent aucun espoir d'en obtenir la moindre gloire. Et ton fils et sa maman? Qui s'occupera d'eux quand tu seras loin? Ils ne méritent pas ça. Ils vont vivre comment sans toi? Je leur ai laissé assez d'argent pour qu'ils tiennent un bon moment. Il faut que tu me croies, mère. Dès que j'aurai une bonne situation à Carthage, je reviendrai les chercher. Aie confiance en moi. Ah, Seigneur, j'ai tellement tardé à t'aimer, à voir ta beauté suprême et éternelle. Tu as toujours été à mes côtés, mais en raison de ma rébellion, je n'ai pas pu être avec toi. Pendant toutes ces dernières années, j'ai cédé à différents désirs. Je séduisais les gens, et des gens me séduisaient. Je les trompais, et parfois ils me trompaient. Tantôt publiquement par la science, et tantôt secrètement sous de faux slogans religieux. Comme il est absurde de tout savoir, et de ne pas te connaître, toi, Dieu et Seigneur. Je ne gagnais de tout cela qu'une pitoyable popularité, embellie par les applaudissements de la foule. Et cela me tournait la tête. J'avais oublié que la fierté avait transformé les anges en démons et que l'humilité a transformé des humains en anges. Les idées ont continué leur lutte dans ma tête sans relâche, jour après jour.
conviction, et quelle conviction ! Après tout ce temps, tu arrives encore à te poser des questions ? Je me pose toutes les questions que je veux, car rien n'est acquis. Et le manichéisme, comme tout autre courant, peut aussi être soumis à des études et aux critiques ! Allons du calme, Augustin. Les élèves sont en train de nous regarder, et le manichéisme a été interdit. Peu importe. De toute façon, tes doutes seront vite élucidés par le prêtre Festus quand il rentrera de Rome très bientôt. Et c'est pour quand, ce très bientôt ? Je crois qu'on en reparlera plus tard. Je dois te laisser. On se voit ce soir. Vas-y, à plus tard. Oh, ma très chère mère. Adéodatus. Tanit, comment vas-tu ? Tu nous as tellement manqué, mon chéri. Vous m'avez devancé. J'envisageais d'aller vous chercher à Tagaste. Vous avez très bien fait de venir. Allons à la maison. Allez, venez. Ton chemin n'est pas le bon. Même si tu as enseigné et convaincu tout le monde avec la clarté de tes mots et ta logique, ton chemin ressemble à la vérité, mais ce n'est pas la vérité. Je reconnais que je ressens des limites. Mais, mère, je cherche la sagesse dans sa profondeur. La sagesse et ses sources. La sagesse et son sens le plus profond. C'est tout ce que je désire. Est-ce de la sagesse d'enseigner des concepts vaniteux à tes étudiants et de prétendre, toi et tes semblables manichéistes, que le péché et la méchanceté proviennent de Satan ? Et que les êtres humains n'ont rien à voir avec cela ? S'ils cèdent, c'est la faute de la méchanceté et non des méchants ? Je suis surprise de voir le grand penseur Augustin adhérer à ce genre de théorie prétentieuse. Quelle ironie du sort, tu ne crois pas ? Tu es ici, à la place même où se rassemblaient les chrétiens quand ils étaient persécutés. Le même endroit qui nous rassemble ici aujourd'hui, échappant à notre tour à la persécution des chrétiens. Dans tout ce que tu viens de me dire, il n'y a pas un seul mot qui répond à ma question. Écoute, Augustin, un seul conseil. Ne laisse pas le savoir tuer ta foi, car la vérité est immuable. C'est nous, et nous seuls qui changeons. Voilà la vérité. La vérité, oui, la vérité. Je suis éreinté d'entendre ce mot vide de sens. La vérité sans une preuve, sans la moindre réponse. Vous prétendez corriger dans les livres sacrés tous les textes qui vous contrarient et qui vous dérangent. Quant à votre logique, elle consiste à tourner en dérision toutes les accusations contre vous. Et même Dieu. Vous considérez Dieu comme imparfait. Il serait même infecté d'une chose malsaine. Tandis que vos propres élites dissimule un nombre incalculable de défauts derrière une prétendue vertu. Alors oui, je trouve légitime de réfléchir. Je demande, et c'est toujours la même réponse. La vérité, elle ne change jamais. Seulement moi, j'ai changé. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Fais ce que bon te semble. De Rome. Pourquoi ne lis-tu pas cette lettre, Augustin ? Crois-tu vraiment que ce soit le bon moment pour lire un courrier ? C'est le consul de Rome, et son nom c'est bien Symmachus ? Ah oui, c'est cela. Je pensais bien qu'il nous avait oubliés depuis son départ de Carthage. Qu'est-ce qu'il y a entre vous pour qu'il t'envoie un courrier, dis-moi ? Cela doit être quelque chose de très important. Ah, très bien, je vais vous la lire, comme ça vous me laisserez tranquille. Mes amis.
Eh bien, Augustin, tu vas enfin nous dire ce qu'il y a d'écrit. Sémacus. Sémacus me demande d'enseigner la rhétorique à l'université de Rome. Si je comprends bien, tu vas être obligé de quitter Carthage. Je vais y réfléchir, mais pas avant d'avoir terminé ce très important entretien. Va mettre cette malle dans la charrette, j'arrive. À vos ordres, maître. Où pars-tu aussitôt, Augustin ? Eh bien, je dois me rendre au port de Carthage. Un de mes amis doit embarquer pour la ville de Rome. Et il te faut prendre toutes tes affaires pour simplement aller le saluer ? Eh bien, je comptais les lui donner pour qu'il puisse s'en servir, le temps qu'il s'installe sur place. De plus, c'est un très cher ami qui m'a maintes fois aidé par le passé. Ah, Adéodatus ! Mon cher enfant, comment vas-tu ? Je vais très bien, mon père. Tu aimerais voir la mer, Adéodatus ? Oh oui, je t'ai demandé tellement de fois de m'y emmener, ça oui, j'aimerais la voir. Ton père va pouvoir réaliser ton souhait. Il va tous nous emmener jusqu'au port. Là-bas, nous pourrons respirer tout ce bon air marin. Maître Augustin ! Maître Augustin ! Quoi, parle ? C'est le bateau, il est prêt à appareiller. Je le sais déjà, je le sais. Écoute-moi et ne dis plus rien, d'accord ? Bien, maître. Pourquoi est-ce que tu me dis que le bateau va être retardé ? Je fais quoi, moi, maintenant, hein ? Que se passe-t-il avec cet homme, Augustin ? Il y a que le porteur m'a dit que le bateau de mon ami est retardé. Et où se trouve ton ami ? Je suppose qu'il a dû aller se reposer quelque part en attendant que tout soit enfin prêt. Je pense que vous devriez rentrer à la maison. Pourquoi y retourner ? Il vaut mieux que nous restions l'attendre avec toi. Alors vous voulez rester ? Pourquoi faire ? Je viens de te le dire, le bateau a pris du retard. Je préfère être seul pour retrouver mon ami. Votre présence ne fera que me ralentir, sans compter que vous risquez d'être bousculé par la foule. Alors... Que dirais-tu d'aller m'attendre dans son église que nous voyons en haut de cette colline ? C'est une bonne idée. Mais ne tarde pas trop, veux-tu ? J'essaierai, mère, je vais essayer, promis. Allez-y, prenez ce chemin. Augustin ? Augustin ! Augustin ! Sa femme l'a même quitté. Il l'a dit. Vous n'avez pas vu Augustin ? Augustin ? Oui, et il a embarqué tout à l'heure sur une de ces embarcations qui partent pour Rome. Tout va bien, faut pas s'inquiéter. Tanit, Augustin nous a abandonnés. Il s'est embarqué pour Rome. Seigneur, mon Dieu, mon Sauveur, Jésus-Christ. Pourquoi l'as-tu laissé s'en aller loin de nous ? Pourquoi tu as permis cela, Seigneur ? Tu m'as promis qu'il sera à toi. Jusqu'à quand va-t-il continuer à te fuir ? Jusqu'à quand, mon Dieu ? Si tu savais comme je suis heureux de te voir à Rome, Alypius. Quoi ? Tu ne supportes plus la vie ici à ce point ? Je ne supporte plus la désinvolture de mes étudiants. Ils ne payent même pas mes émoluments. Tu peux me croire. Ici, je n'ai pas réussi à avoir un seul ami. Mon seul véritable ami, c'est le consul Sémacus. Est-ce que je dois comprendre que tu ne suis plus les manichéistes comme avant ? Les manichéistes ? Non, pas du tout. Ah !
Écoute-moi, cher Augustin, tu sais bien que tu es l'une des personnes qui compte le plus pour moi. J'ai bien compris, lors de nos dernières rencontres, que tu ne voulais pas rester plus longtemps à Rome. Alors, quand le tribunal de Milan m'a indiqué qu'il recherchait urgemment un professeur de rhétorique, j'ai naturellement pensé que tu feras un excellent candidat pour eux. Merci. Merci énormément, monsieur le consul. Ce qui est le plus important, Augustin, c'est que ta voix résonne dans l'enceinte du tribunal de Milan, et le plus tôt possible. Je t'en prie. J'ai été surpris et perturbé lorsque j'ai évalué le temps passé entre mes 19 ans et maintenant. Aujourd'hui, j'ai 30 ans. Je continue à vouloir profiter du présent qui s'échappe, qui fait que je me disperse, que je m'éparpille. Mon Dieu. Mon Dieu, je vais rester dans la boue si tu ne me tires pas de là. Je resterai aveugle si tu ne m'ouvres pas les yeux. On dirait que le destin nous réunit toujours, hein. Ça va, Augustin? Augustin. Alors, comment va ton nouveau travail? Dis-moi. Oh, la situation ici à Milan est très différente de celle de Rome. Ma position en tant que professeur de rhétorique au tribunal de Milan m'a permis d'entrer en relation privilégiée avec le palais impérial. Oh, tu dis le palais impérial? Mais oui. Non, 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 non. Je vais devoir me méfier de toi, Augustin. Mais non, allez, entrez. Ah. Maintenant que tu es un proche du cercle fermé au palais impérial, as-tu des nouvelles d'Ambroise? Qu'est-ce qu'il a, Ambroise? Est-ce vrai ce qu'on dit de lui à Carthage? Et que dit-on sur lui? On dit que le philosophe Ambroise n'est pas un simple évêque et un philosophe, mais aussi un penseur plutôt courageux, et qui ne craint pas tous ces nombreux complots qui se trament au palais impérial. On peut dire que rien ne semble l'arrêter. Moi aussi, j'ai entendu dire que les pires orateurs et les manichéistes aiment et prennent plaisir à se confronter à lui. C'est quand même étrange que tu ne l'aies pas encore rencontré. Pourquoi le rencontrer? Parce que tu penses que cela me sera utile si je décide de le voir ou si je m'oblige à écouter sa philosophie? Dis-moi juste comment un évêque chrétien peut devenir philosophe. Là, je te reconnais bien là, mon ami, c'est la question. À part ça, je trouve qu'il manque quelque chose dans ta maison. Où sont les femmes? Dis-moi, tu as fait vœu d'abstinence à Milan? M'abstenir, c'est pas encore l'heure pour ça, elles sont en route. Voici l'ordre de l'empereur Valentinien. Tenez. Est-ce que je dois assister au serment de l'évêque Ambroise? Je n'en vois pas l'intérêt, j'y perdrai mon temps. Quelle en est la vraie raison, en fait? Le palais commence à craindre l'influence d'Ambroise, mais aussi la sympathie qu'éprouve le peuple de Milan pour lui. Nous aimerions savoir à quoi pense Ambroise et ce qu'il prépare. Et vous êtes celui qu'il nous faut, celui qui peut le comprendre et celui qui pourra l'arrêter. Au milieu de toutes ces contradictions, y a-t-il une solution contre l'erreur? Y a-t-il une rupture définitive avec le pouvoir de Satan? Y a-t-il une lumière éternelle qui jaillira pour devenir la caractéristique de la vie qui rejettera l'obscurantisme? Dans notre contemplation de la nouvelle ère, nous constatons que Dieu a pris forme humaine pour les malfaisants, les pécheurs, et les déchus, et non pas pour les justes. Comme il le disait lui-même, je ne suis point venu appeler à la repentance les justes, mais les pécheurs. Nous pouvons donc comprendre que les justes, les parfaits, sont les plus éloignés de la face du Dieu clément. Ils ne peuvent pas connaître le goût de la bénédiction gratuite. Dieu va humilier les scribes, les pharisiens et les juges des peuples. Et nous voyons là la plus grande preuve du danger, de l'autosatisfaction qui a toujours été dénoncée par Dieu. Seul face à l'erreur,
Celui qui a la foi entend, parce qu'il écoute, tandis que celui qui n'a pas la foi n'écoute même pas. Et même s'il écoutait, il n'entendrait pas. J'ai été honoré, monsieur l'évêque, d'avoir pu assister à votre excellent prêche. Tout l'honneur revient à Dieu qui nous a permis de transmettre son message. Votre simplicité de langage permet à n'importe quel auditoire de tout bien comprendre. Et dans vos mots, il y a quelque chose... quelque chose... qui touche le cœur. Qui m'a permis... de ressentir une paix que je n'avais jamais connue auparavant. Je vous promets de venir assister régulièrement à vos messes, dès aujourd'hui. Je serai très honoré que vous y assistiez. Oh, mère! Augustin, mon fils. Oh. Adéodatus. Mon père, tu m'as tellement manqué. Tu m'as manqué aussi, mon fils. Comment vas-tu, Tanit? Je vais bien. Mais entrez, venez vous asseoir par ici, venez. Il semblerait que vous vous soyez donné du mal pour me trouver. C'est grâce à ton ami Alypius, il nous a bien aidés. Sans lui, nous serions encore en train d'errer dans cette grande ville. Oui, Milan est une grande et belle ville. Il y a beaucoup d'églises qui feront ton bonheur, mère, et tout particulièrement l'église de l'évêque Ambroise. Je ne peux pas nier une certaine admiration envers les idées, la rhétorique et la philosophie de cet évêque. Ce que vous me dites me semble très grave et très sérieux, Augustin. Cela confirme bien toutes mes craintes. Je ne vois pas de danger à admirer sa philosophie. Si vous, qui êtes un orateur émérite en rhétorique, admirez son discours, alors que dire du peuple? Cette Ambroise a su accaparer les esprits de tous ceux qui gravitent autour de lui. Il pourrait aisément influencer ces gens n'importe quand, attaquer le palais si l'envie lui en prenait. Mais ça n'arrivera jamais. L'histoire de cet évêque s'arrêtera ce soir. Écoute, mère. Augustin ? Il faut que nous quittions cet endroit au plus vite. Et pourquoi ça? Je tiens beaucoup à rencontrer l'évêque Ambroise. J'ai quelque chose d'important à te dire. Tu pourras parler avec lui une autre fois. Je te le répète, je ne partirai pas avant d'avoir vu l'évêque Ambroise. Écoute, mère. Les soldats de l'empereur sont en route pour la cathédrale. Ils viennent pour l'attaquer. Comment ça, attaquer la cathédrale? Tu crois que je vais abandonner la maison de Dieu pour te suivre? Je t'en supplie, mère. Il n'y a plus de temps à perdre. Tout le monde ici me connaît. Je n'ai pas intérêt à ce qu'il me retrouve précisément ici. Tu as peur pour ta réputation et ton pouvoir, Augustin. Tu n'as pas peur pour moi. Mais mère... Le sujet est clos. Si tu veux partir, libre à toi. En ce qui me concerne, je sais que Dieu protège tous ses enfants. Passe-t-il et que signifie tout ceci? Les soldats de l'empereur ont encerclé la cathédrale et veulent l'attaquer. Mais jamais nous nous laisserons faire. Et nous les combattrons jusqu'à notre dernier souffle. Pour commencer, déposez les armes que vous avez en main. Vous devez garder uniquement les paroles de Dieu. Notre arme n'est pas l'arme du monde. Notre arme est spirituelle. Alors armez-vous de votre foi. Et Dieu fera le reste.
Je suis heureuse que le siège de la cathédrale par les soldats ne se soit pas terminé par un bain de sang. Mais je suis surprise et déçue par ton comportement. Tu avais l'air si étranger à tout ça. Parfois, je n'arrive plus à te comprendre, Augustin. Tu sembles être ami avec Ambroise, puis tu agis comme tu l'as fait ce soir-là. Le fait que je sois devenu ami avec l'évêque Ambroise ne veut pas dire que je sois devenu un chrétien. Si je le fréquente et écoute ses sermons, c'est sur ordre de l'empereur. Il faut que tu comprennes ma situation vis-à-vis du palais impérial. Je travaille pour eux, je n'ai pas le choix. J'aimerais te parler d'un tout autre sujet maintenant. Quoi donc encore, mère? Que veux-tu dire? Je veux dire, mon fils, que tu avances dans l'âge. Il est grand temps que tu choisisses une épouse. Une épouse? Oui. Une épouse qui convienne à ton statut actuel. Je n'ai pas trop la tête à ça en ce moment, mère. Écoute-moi, mon fils. Récemment, j'ai fait la connaissance d'une pieuse et jolie jeune femme à l'église. Elle s'appelle Tertia. Son père est quelqu'un d'important. Je suis sûre qu'elle serait un parti idéal pour toi dans ta situation. Ce n'est pas le bon moment, mère. On en reparlera. Écoute-moi, mon fils. Tu devrais d'abord la voir. Ensuite, tu prendras ta décision. Ne t'inquiète pas. Tu auras tout le temps qu'il te faudra pour y réfléchir. Elle doit attendre encore 2 années pour être en âge de se marier. Eh bien, je vais répondre à ta question, Augustin. C'est le père Simplicianus qui m'a baptisé. Et c'est lui qui a baptisé également le grand philosophe africain très célèbre, Victorinus. L'évêque Ambroise m'a souvent relaté l'excellence de votre honorabilité. Il m'a aussi beaucoup parlé de vous comme quelqu'un de très brillant en rhétorique. Augustin, je sais que le père Simplicianus s'intéresse lui aussi à la philosophie, tout comme toi. Je suis sûr que vous allez vous entendre et devenir de bons amis. C'est un grand honneur pour moi. Adéodatus ? Pourquoi pleures-tu ? Que se passe-t-il, fils ? Parle-moi. Que se passe-t-il, mère ? Il n'arrête pas de pleurer. Tanit a quitté la maison. Comment ? J'ai essayé de l'en empêcher, mais elle a fui. Elle a dû entendre notre conversation sur ton mariage. Elle a préféré se sacrifier. Ainsi, elle ne sera plus un obstacle dans ton choix. J'ai tout fait pour l'en dissuader, mais je n'ai rien obtenu d'elle. En dehors de prendre soin d'Adéodatus. Elle a juré qu'elle ne sera jamais à un autre homme après toi. Suite au départ de sa concubine, après 14 années de péché, saint Augustin vécut une vie totalement différente. En effet, il n'aima plus jamais une autre femme comme il l'avait aimée elle. Et son souvenir resta gravé en lui toute sa vie, il ne se remaria jamais. Bon, coupé. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Oui, un vrai plaisir. Merci. Parlez-moi, Augustin. Qu'est-ce qui vous tracasse ? J'ai beaucoup de choses sur le cœur, mais je ne sais pas quel chemin prendre. J'ai fait beaucoup de mauvaises choses, je me suis souvent égaré. Connaissez-vous le philosophe africain Victorinus ? Oui, je le connais. C'était l'un des philosophes les plus réputés de Rome. Dieu a conduit le philosophe Victorinus vers la foi. Et ce même Victorinus a été capable d'accepter l'humilité du Christ. Que les sages ne voient pas, et que les enfants connaissent. C'est ainsi qu'il a déclaré sans gêne qu'il était un serviteur du christianisme et l'enfant de la joie.
Rome n'a pas du tout apprécié, mais Dieu, si. Victorinus, mon cher Augustin, cachait sa foi devant les gens et ne la déclarait qu'en présence du prêtre. Chaque fois, le prêtre lui disait « Je ne croirai votre foi que lorsque je vous verrai entrer à l'église, et seulement là. » Et ce jour a fini par arriver, et le grand philosophe s'est enfin présenté devant le peuple de Dieu. Et humblement, il a déclaré, avec amour, sa foi envers Jésus-Christ, devant tous ces gens réunis dans l'église de Rome et qui criaient « Alléluia ! Alléluia ! Victorinus ! Victorinus !» Prends-le et lis-le. Prends-le et lis-le. Adéodatus ? Prends-le et lis-le. Prends-le et lis-le. Ni en criant, ni en s'enivrant, ni en couchant et en se prostituant, ni en se disputant, ni en convoitant, mais en vous parant des habits de Jésus-Christ. Ne préparez pas le corps pour la luxure, au désir de la chair. Pour la première fois de ma vie, je sens que tu me parles, Seigneur. C'est la première fois que je me trouve confronté à moi-même. Ô Dieu, tu me mets face à moi-même, pour que je voie toute la laideur de mes péchés. C'est la première fois que je me vois, et j'ai peur. Mais comment ? Et où s'échapper ? Mon Dieu ! Je sens que maintenant tu regardes vers moi, comme s'il n'existait aucun être que toi dans les cieux et sur terre. Toi seul, Dieu sait que j'ai besoin de toi comme jamais auparavant. Aujourd'hui, je t'ouvre la porte de mon cœur et de ma vie. Je t'accepte comme mon maître et mon sauveur. Je regrette le temps passé loin de toi. Je regrette tout ce temps où je ne t'ai pas remercié. Merci. Merci.
Merci parce que tu es mort sur la croix pour moi. Et pour que tu reconnaisses le repentir de tous ces nombreux péchés que j'ai faits, Seigneur, fais que je vive selon ta volonté et non selon la mienne. Fais que je suive tes pas. Que je marche derrière toi. Et si je marche derrière toi, alors je te suivrai. Maintenant, je sais pourquoi je n'ai pas su trouver Dieu. Parce que je l'ai cherché à l'extérieur, alors qu'il était ancré en moi. Ne crains rien pour lui, car le fils de ses larmes ne s'égarera jamais. Après sa libération, par son baptême, il est retourné à sa ville natale, Tagaste, puis est venu à Hippon, là où nous sommes actuellement. Il a été ordonné évêque en 395 après Jésus-Christ. Après une vie pleine d'efforts, d'enseignements et de défense de la foi juste, après avoir composé plus de 232 volumes d'ouvrages considérés à travers les âges parmi ceux qui ont éclairé et enrichi l'intelligence de toute personne qui les a lus, Augustin, âgé de 76 ans, a regagné l'honneur céleste en 430 après Jésus-Christ. C'est le philosophe, le maître, l'orateur, le révolté, le religieux et l'évêque, l'homme des plus grandis. C'était saint Augustin, le soleil d'Ifriqiya, l'évêque des simples, l'enfant des larmes. Thank you.